dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. À l'occasion, lorsqu'on travaille dans l'atelier, on fait face à des situations un peu problématiques. Comme dans le cas ici, là, j'ai un panneau là, d'une bonne dimension. Puis, j'aurais besoin de faire une coupe à 90 degrés là, parfaitement ici là, sur cette pièce de bois-là. Donc, les guides que j'ai ici là, sont plus ou moins adaptés pour ce genre de travail-là. Parce que j'ai une certaine limite ici là où je peux aller. Si je vais plus loin, là, je vais avoir beaucoup d'instabilité. Ça va être très, très difficile là, de contrôler une coupe très précise. À main levée ici, là, c'est très, très dangereux. Il ne faudrait pas faire ça. Donc, c'est une situation là, ici là, que je vivais à l'occasion. Puis, ce que moi j'ai développé pour remédier ou faire face à ce genre de situation-là, c'est un plateau à tronçonner. Donc, c'est un plateau de coupe qu'on peut facilement venir ajuster parfaitement à 90 degrés. Ici, notre angle, notre appui et l'angle de coupe est parfaitement ajusté à 90 degrés. Puis, j'ai une bonne dimension. Donc, ça me fait un plateau de travail qui est très efficace puis qui me permet très, très facilement là, d'effectuer une coupe à 90 degrés très précise, là. Dans un cas comme ça ici, là, c'est vraiment l'outil idéal, sécuritaire, puis qui me permet là, de faire très, très facilement une coupe parfaite. Donc ici, là, je viens de réaliser une coupe à 90 degrés parfaite. Je peux mettre mon équerre pour valider, mais tout est parfaitement égal. Fait que je peux facilement faire l'autre côté, puis je vais avoir un travail là, impeccable. Fait que je peux, avec ce plateau-là ici, là, faire un exemple un dessus de table ou un dessus de bureau, jusqu'à 20 pouces de dimension ici. Donc, ça me permet de répondre à une grande majorité des situations. Si j'ai beaucoup plus long fréquemment, je pourrais facilement me faire un plateau d'un peu plus grande dimension qui répondrait aussi à ces besoins-là. Mais avec un plateau, comme je le suggère dans le système ProGuide, les guides de coupe pour bâtis, ça répond à la grande majorité des situations qu'on retrouve en ébénisterie. Fait que je vous souhaite beaucoup de plaisir dans le travail du bois, puis surtout, bonne passion! Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!